Et salut à tous, c'est Benusco et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de découverte avec Gunborg Dark Matters. Alors c'est une version démo du jeu qui est disponible sur Steam depuis le 3 décembre 2021. Le jeu quant à lui est prévu pour sortir en janvier 2022. On pourra y jouer au clavier souris ou à la manette et le français sera disponible sur le jeu et également sur cette démo. Alors le jeu nous est présenté comme étant de type action, arcade, plateforme 2D. On va regarder comme d'habitude ce qui nous est dit au niveau de la présentation du jeu. Gunborg Dark Matters est un jeu de plateforme de style arcade bourré d'action dans l'espace avec un gameplay fluide et une bande-son de synthwave des années 80. Armé d'une lame féroce et d'un bouclier puissant, votre défi est de vous frayer un chemin à travers un vaisseau spatial extraterrestre, fou, rempli de créatures infâmes et de capturer les redoutables boss qui le défendent. Avez-vous ce qu'il faut pour faire face à des menaces constantes tout en restant debout dans le feu de l'action ? Pouvez-vous garder votre sang-froid lorsque le chaos s'abat sur vous? Et au niveau des caractéristiques du jeu, donc on va avoir un gameplay de style arcade basé sur des compétences, 3 niveaux de difficulté, les armes ennemies peuvent être récupérées par le joueur, un bouclier puissant pour dévier les balles ennemies, l'énergie noire supercharge vos armes, d'accord, gameplay fluide et animation fluide, et un cycle de réapparition addictif super rapide. Voilà pour la description du jeu, je vous propose d'aller découvrir tout ça sur une nouvelle partie. Donc pour ma part, je suis au clavier souris, comme le jeu m'a l'air d'être plus tir que corps à corps, je préfère jouer au clavier souris. Ok, donc on a les 3 niveaux qui sont ici, on va pouvoir commencer par premier contact, on va faire les niveaux en mode normal. Premier contact, astuce, augmente le multiplicateur de score jusqu'à 3 pour t'immerger. Je n'ai pas compris la suite. Alors voilà, là on est sur le premier niveau des 3 disponibles avec un petit tuto au début. Donc on va pouvoir bien sûr se déplacer à droite et à gauche. On va avoir une lame uniquement pour tirer. On va pouvoir déplacer la souris pour regarder ce qui se passe autour. Avec la touche espace, on va pouvoir sauter. Et alors on va avoir le jetpack qui nous permettra de franchir les obstacles. Il pourra être utilisé 3 fois dans les airs. Et donc là on est parti. Clic gauche pour attaquer. Donc voilà les fameux extraterrestres, 5000 points. Le clic droit pour utiliser le bouclier. Oh flûte, j'ai pas été assez rapide. Donc là on va le tuer grâce au ricochet. Ok, il nous a laissé une arme. Et donc ici les cristaux roses, si l'on peut dire, c'est des pics. Hein, donc il faut vraiment éviter de les toucher. On ramasse l'arme. Et donc bien sûr on a nos points de vie en haut à gauche de l'écran. Et puis en bas à gauche, ça va être les balles restantes dans l'arme qu'on utilise. A noter qu'une fois qu'on a ramassé une arme, on ne peut pas switcher avec l'épée. On devra l'utiliser complètement, ne plus avoir de balles, finalement, attention, pour pouvoir revenir au corps à corps. Alors là, on a 18 balles, on va prendre ça. Et donc ici, collecter des infobots pour des points en plus, puisque l'objectif du jeu, ça va être également de faire des niveaux en mode normal ou plus difficile, avec le meilleur score possible. Là, on récupère de la vie, mais je suis déjà full. Énergie obscure. Alors par contre elle part assez vite, voilà, et puis on va avoir des balles qui vont rebondir dans ce cas-là. Dans tous les cas on est au bout du niveau. Voilà, premier contact terminé, donc le score, niveau C. Rang suivant à 90 000 points.
Ok, bon, c'était quand même pas mal. On n'a pas eu de rip, on s'est fait toucher quand même une fois. Voilà, donc là on était sur le premier contact, le premier score, enfin le premier niveau de cette démo. On est parti sur le tunnel. Ton bouclier peut être utilisé comme arme de mêlée, d'accord, donc ça je savais pas. Apparemment si on utilise le bouclier on fera des dégâts. A noter au niveau du bouclier qu'il a une durée d'incantation, c'est-à-dire là je laisse le clic droit appuyé, hop, il va disparaître. Donc il faudra quand même l'envoyer au bon moment. Là on va avoir des passages un peu plus arcade. Un peu plus plateforme, j'ai envie de dire, plutôt. On va essayer de détruire la tourelle avec ses munitions. Hop. Bon, je vois qu'en bas, il y a des choses, là. Ok, on va changer d'arme pour reprendre des munes. On va peut-être rester avec celle-ci, c'est pas mal là le système de mitrailleuse. Et donc là on pourra descendre si on le souhaite pour récupérer plus de points en prenant ce petit robot là. Je pense que ça vaut le coup de le faire, on va essayer. C'est bon. Ok, en plus on n'a pas à repasser. Je craignais qu'on doive en plus remonter par le même côté. Ouais, on attend qu'elle nous tire dessus. C'est bon, je vais prendre celle-ci. Ouais, là, il y a un autre robot en haut, on va essayer d'aller le chercher. D'ailleurs, est-ce qu'on peut... Ouais. À mon avis, on pourra redescendre par là. Bon, c'est pas super dur quand même par rapport à tout à l'heure. Ok, on est bon. Ça veut pas... Ah d'accord. J'allais dire ça veut pas s'ouvrir, mais à mon avis, il faudra tuer les mobs pour que ça vienne à s'ouvrir. Ok, on va changer d'arme. Celle-là, c'est des grosses boules jaunes. C'est un peu moins bien, mais bon. C'est toujours ça. Ouf. Alors, celui-là, ça va être difficile de l'avoir sans prendre de dégâts, à mon avis. Là, je peux descendre ici. Ou alors, il faut... Voilà, on va d'abord se débarrasser de ces trucs-là. Ouf, c'est bon. C'était juste. Ouf. On change d'arme. Bon, forcément, les armes à distance, hein, c'est beaucoup plus... En tout cas, pour ma part, je trouve ça plus simple que l'arme au corps à corps, pour ne pas prendre de dégâts. Ok, on a terminé le tunnel. On a récupéré les 3 robots. Donc, on a fait un score A, nouveau record, donc je pense que c'est le meilleur score possible. J'ai du mal à comprendre en fait quel est le score qu'on obtient. Bonus défi, normal, ok, bah on continue. Et donc on arrive ici au niveau incendiaire qui est le dernier niveau du vaisseau pour la démo. Les projectiles bleus sont sûrs. Alors, je sais pas ce que ça veut... C'est des ennemis qui envoient des projectiles bleus veulent dire que ça ne fera pas de dégâts. Ouais, là on n'a pas d'attaque à distance. Vas-y, hop, c'est bon. Ouf, l'arme, ok. On pourra la prendre, je craignais qu'elle tombe. L'arme. Voilà, là j'ai pris du dégât en touchant les piques roses. L'arme est pas mal, là, mais bon. Ok, là à gauche, je pense qu'il y a sans doute un robot à récupérer. Ouais, mais alors, oh là là. Faudrait que j'arrive vraiment avec toute ma vie, je pense, si je vais avoir une chance de le récupérer. Ah, flûte. On a eu celui-ci. Avec 2 points de vie déjà. Donc à mon avis, ce sera délicat d'aller récupérer celui... Ouh là là, qui est à droite. Je vais peut-être passer directement ici. Ah ouais, en plus on revient avec... Non, on n'a pas nos points de vie qui se régénèrent finalement. Ok.
manger, de la vie. On va prendre cette arme, ça c'est quoi? Immune? Non, je comprends pas, c'est une arme. Ok, donc là ça va être le boss, on va dire, du premier niveau. Voilà, il va nous envoyer des boules, il faudra les renvoyer avec le bouclier. Et puis on va avoir par contre également des ennemis qui vont pop à certains moments. On a bientôt plus de balles. Ah, c'est le... Ok. On va envoyer ça. Ah oui, alors là ça va faire de gros dégâts. Allez, on touche avec ça. C'est bon, on l'a eu. Alors, incendie terminé. Alors, niveau C. Bon, c'est pas super du tout. Effectivement, on a laissé un robot. J'ai pris pas mal de dégâts. Et donc voilà, créé par Richard Paulson. Coming, ah d'accord, le 15 décembre. Alors sur Steam, il est noté que le jeu sera disponible au mois de janvier 2022. Donc possiblement la sortie aura lieu un peu plus tôt. Le jeu est assez sympa, même si c'est assez simpliste, hein, on va dire. Ça dépendra peut-être du prix du jeu et puis aussi regarder un petit peu les niveaux suivants. Est-ce que ça se complique un peu, notamment au niveau de plateforme? Est-ce que le challenge est un peu plus élevé? Mais bon, le concept est assez sympa. J'espère en tout cas que cette vidéo de découverte de Gunborg Dark Matters vous aura intéressé. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur YouTube ou en live sur Twitch. Salut !